Bonjour. Je ne suis pas docteur d'hôpital, donc si ça ne va pas sur quelqu'un qui part à l'hôpital. Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas ce qui se passe. Certains paraissent perdus. Le travail de l'ennemi est de vous faire perdre conscience du temps, de ce qui se passe. Il y a de grands changements qui sont en train de se passer dans votre énergie, dans votre environnement. Vous êtes en train de prendre de la vitesse. Le genre de situation qui vous coûtait 6 mois avant, aujourd'hui c'est 2 jours. Vous n'êtes plus influençable ou facilement distrait. Il est temps pour vous de laisser vos ailes s'ouvrir. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu peur de briller plus que les personnes qui vous voulaient du mal. Et là, vous vous êtes dit, si je brille plus que elle ou lui, peut-être qu'il ne va plus m'aimer. Vous n'avez même pas besoin de cette personne. Vous êtes en train de devenir sensible. Sensible à tout. Vous ne courez plus après l'argent. Vous avez l'impression que l'argent est en train de vous poursuivre. Nous vous annonçons que des portes sont en train d'être ouvertes. Et dans vos prières, demandez l'inimaginable. Que l'inimaginable entre dans mon esprit. Parce que votre plus grand désir doit être de recevoir en vous les plus grandes idées. Vous êtes en train de devenir un terrain fertile. Votre pouvoir de manifestation s'accroît. Vous manifestez comme un grain de pop-corn qui éclot. Sa taille augmente considérablement et visiblement. Et on ne pourra pas vous arrêter. Vous êtes en train de devenir de plus en plus manifesteur. La fatigue que vous avez ressentie les derniers jours, une fatigue hors norme,
C'est pour recalibrer votre esprit. Vous aurez des personnes qui vont vouloir vous imiter sans comprendre qu'elles ont une identité à elles-mêmes. Vos rêves vont beaucoup plus se réaliser. On vous montrera des choses en avance dans le rêve. Ne va pas là-bas. Arrête de travailler avec telle personne. N'investis pas dans ceci. Ils vont s'occuper des moindres détails. Parce que depuis le départ, vous êtes dans un plan. C'est juste que c'est comme si vous n'étiez pas conscient. Vous n'étiez pas ouvert. Tout est connecté. Maintenant, vous devez faire attention parce que vous devez être de plus en plus sensible. Premièrement, à ce que vous portez. Attendez, j'ai besoin de noir pour que je réfléchisse. Voilà. Vous n'allez plus dépendre émotionnellement de certaines personnes. Nous sommes en train de vous préparer pour la bataille. Parce que vu ce qui arrive devant vous, vous êtes censé reprendre possession de ce qui vous appartenait. Vous êtes censé conquérir. Vous avez besoin d'un cœur qui est dur. L'amour vous rend manipulable. L'amour vous rend manipulable. Ça vous attendrit de façon négative. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la peine à rentrer dans votre destinée parce que premièrement, vous manquez le bon environnement. Je parlais de semences tout à l'heure. Ce n'est pas la semence physique que vous devez chercher pour tomber enceinte, mais la semence virtuelle. Quand vous prenez des lectures ou des consultations, par exemple, il y a des choses de vous qu'on vous dit. Des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Et après, quand vous partez, vous dites, je crois que je devrais penser à ça un peu plus. Vous allez rêver, vous vous verrez de plus en plus dans votre élément, soit en train de voler, soit en train de nager. Vos mains vont beaucoup s'activer. Vous aurez l'impression d'avoir des picotements dans vos mains. Et vous aurez de moins en moins envie de faire ce que d'autres personnes attendent de vous. Vous cherchez toujours à plaire aux gens. La maturité demande que vous sachiez laisser certaines choses. Et nous vous rappelons qu'il y a des situations que nous avons bloquées pour votre bien. Il y a des relations que nous avons bloquées pour votre bien. Vous ne pouvez pas être conduit juste par les émotions. Et un moment à tout. Certains cycles répétitifs de votre vie, certains cycles répétitifs de votre vie ont le droit de revenir à cause de vos émotions. Vous n'avez pas pris la leçon la première fois, ni la dixième fois. L'univers ne compte pas sur le nombre de fois. L'univers compte les leçons apprises. Donc, il est temps que tu mûrisses. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu demandes plus. Ça fait longtemps que tu es assise dans cet environnement, que tu gagnes le même salaire. Agis. Certains, vous avez été attachés dans cette position dans laquelle vous êtes. Et vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose jusqu'au bout.
L'énergie que vous êtes en train de recevoir depuis quelques jours, depuis la pleine lune, c'est une énergie qui défait les nœuds. Vous êtes en train de comprendre votre pouvoir et votre connexion à la lune. Vous êtes en train de pouvoir, de comprendre votre pouvoir et votre connexion aux astres. Si vous venez de tomber sur cette page ou de commencer vos bains de sel, ce n'est que la porte d'entrée. L'attention que vous donnerez au message que nous avons pour vous va déterminer votre vitesse d'accélération. Et nous vous rappelons que dans ce monde, dans cette dimension, ce sont les plus concentrés, ceux qui n'abandonnent pas, qui vont atteindre leurs objectifs. Nous allons modifier vos objectifs au cours des prochaines heures. Vous aurez de nouvelles idées. N'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de donner l'impression que vous faites du volte-face devant les personnes ou devant les gens, devant les personnes proches. Vous ne faites pas du volte-face. Vous trouvez juste le bon canal. Vous vous calibrez juste correctement. Si vous n'êtes pas encore sensible, si vous écoutez mais vous ne comprenez pas ce que ceci n'est pas pour vous. Beaucoup de personnes ont le cœur dur. Vous n'êtes pas sensible à ce que l'esprit dit. Lorsqu'on vous parle, vous hésitez. Lorsqu'on vous parle, vous attendez. Et nous ne voulons pas cela. Nous attendons une obéissance. Parce que les personnes qui vont changer votre dimension se trouvent parmi les personnes qui écoutent. Ceux qui vont shifter les choses. Vous êtes comme des personnes qui vont changer la directive ou encore l'angle de la direction d'un avion. Un degré serait fatal. Vous êtes les pionniers. Vous allez commencer de nouvelles choses pour votre continent. Mais vous devez vous défaire de la programmation que vous avez subie depuis l'enfance. Certaines personnes sont prêtes. Certaines personnes sont prêtes à plonger. Certaines personnes veulent se laisser guider. Elles sont prêtes à avancer, même si elles ne voient aucun résultat pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Certaines personnes sont prêtes à tout donner, à tout abandonner. Si elles sentent qu'elles sont sur la bonne direction. Sans sacrifice, vous n'irez nulle part. Sans sacrifice, vous n'irez nulle part. Vous avez perdu l'idée, l'onction, la connaissance, l'habitude des sacrifices. Vous l'avez perdu. Si une graine tombe dans la terre, elle doit mourir. Elle doit mourir. Pour certains, c'est tout votre environnement actuel qui est votre forteresse. Vos connaissances, votre famille, votre quartier, votre bureau où vous travaillez. Et pour cela, vous devez tout détruire. Vous devez sortir. You have to move into something else. Et on ne change pas de forme en conservant ce qui est ancien. Quand Jésus parlait de mettre du vin qui est nouveau dans de nouvelles boîtes, c'était de ça qu'il parlait. Certains vous passez à l'état de maître. Votre corps ne pourra plus supporter les environnements qui ne sont pas conducteurs à votre énergie. Vous ne pourrez plus rester là où vous n'êtes pas voulu, désiré. Vous serez plus en plus insensible. Votre sensibilité à l'esprit va accroître. Encore. Nous entendons quelqu'un se dire, ah, mais encore? Oui. Tu penses que ce que tu as connu la nuit dernière était profond. Nous t'amenons encore plus profondément. Nous allons t'activer. Tu as des pouvoirs à l'intérieur de toi que tu ne connaissais même pas. Tu as des pouvoirs dont tu ne connaissais pas l'existence.
Il y a des films que lorsque tu regardais, tout ton corps chauffait. Certaines personnes, vous allez recevoir une seconde chance. Parce que nous vous rappelons que si vous ratez un cycle, vous pouvez aller sur 6 ans avant de vous reconnecter ou avant d'avoir une nouvelle chance. Si vous ratez un cycle, vous devez attendre. Et parfois, la durée peut s'avérer être longue. Ne vous laissez pas humilier. Si vous dites, l'esprit m'a dit que, et que les gens ne vous comprennent pas et ne vous croient pas. Le monde est en train de se démarquer et se diviser. Ce message n'est pas pour tout le monde. Nous répétons, ce message n'est pas pour tout le monde. Il y a un travail de fond qui a commencé en vous depuis votre naissance. Et ce n'est pas par hasard que vous écoutez ceci. Vous avez plusieurs puissances, plusieurs forces en vous. Vous pouvez vous transformer et devenir n'importe qui, n'importe quoi. N'ayez pas peur. Certaines personnes qui voulaient vous bloquer seront démasquées. Il y a des personnes qui vous ont trahi et vous allez découvrir leur trahison dans les prochains jours. Vos dons de vision vont s'accentuer. Vous aurez des flashs. On vous préviendra des situations. On vous préviendra de ce qui doit arriver. Et quand vous saurez ce qui doit arriver, ne doutez pas, n'hésitez pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés à la source. Et pour pouvoir être conscient de cette connexion, vous avez dû travailler très dur. Ça vous a coûté un mariage, un travail. Ça vous a coûté la perte de vos enfants, peut-être. Et maintenant, vous les regardez grandir avec leur père. Toutes ces émotions, c'est de l'alchimie qui se passe en votre cœur. C'est un mélange qui était nécessaire. Certaines personnes, vous êtes censées arriver au top de votre réincarnation passée. Dans votre ancienne vie, vous étiez un sultan, un roi, une reine. Et vous êtes revenu dans de la pauvreté. Tout ça pour réincarner. Ou bien encore arriver jusqu'à la fin de la réincarnation, cette personne. Certaines personnes parmi vous, en un mois, vous subissez des changements. Vous avez 3 personnalités. Parce que vous essayez de revenir à cette personne que vous étiez avant. Et tout se passe dans la tête. Parfois, votre tête résiste. Parfois, vous résistez. Et quand vous résistez, c'est difficile. Du coup, on doit attendre quand vous dormez. C'est pour ça que vous oubliez vos rêves. Parce qu'il y a une différence entre qui vous êtes dans la réalité une et qui vous êtes dans la réalité deux. La réalité deux étant ce que vous appelez le rêve. Il n'y a pas de barrière entre les deux. Dans la journée, vous êtes plus connecté en esprit que physiquement. Tout se passe dans votre esprit. Il y en a parmi vous dans la journée, malgré le fait que vous êtes en train de marcher, vous êtes encore dans le spirituel. Vous êtes en train d'agir. Vous êtes en train de combattre. C'est pour ça que souvent vous avez des bouffées de fatigue. Ce n'est qu'une continuité.
Il y a des choses que nous ne pouvions pas vous révéler avant. Parce que vous n'étiez pas prêts. Beaucoup d'entre vous ont la capacité de donner des messages qui vont aider. Nous manquons beaucoup de prophètes. Car vos esprits sont corrompus. Vous êtes étrangers à ce que nous vous disons. Lorsque nous vous enseignons dans le rêve, vous vous réveillez, vous oubliez. Vous vous réveillez, vous ne voulez pas demander ce que nous vous avons dit. Du coup, ça devient difficile de communiquer avec vous. Certaines batailles, vous les commencez dans la nuit. Et vous les terminez en journée. C'est pour ça que vous devez suivre votre instinct. Le temps de suivre l'opinion des gens est passé. Cette époque est révolue. Vous ne pouvez compter sur l'opinion de personne. Des personnes viendront vous révéler quelles sont vos premières étapes. Beaucoup viendront, bien, beaucoup viennent à vous. Certains, vous êtes des guérisseurs. Et vos mains, vous devez les imposer sur vos enfants. Vous avez la capacité, de la même façon que vous les avez portés dans votre ventre, vous avez la capacité de les guérir. Faites du nettoyage énergétique sur vos enfants. Elle vous a passé une vidéo l'autre jour pour vous montrer comment nettoyer à distance. Vous ne devez pas tomber sur ces vidéos par hasard. Ce sont des instructions qui sont connectées avec ce que vous faites. Qui sont connectées avec votre chemin de vie. Si, ce n'est pas de la blague. Nous avons besoin de ce canal pour vous parler. Parce que nous vous atteignons dans les rêves, mais vous ne comprenez pas. Vous ne réagissez pas. Beaucoup parmi vous, vous devez être délocalisé depuis longtemps. Il y a des pays où vous devez déjà être depuis longtemps. Mais nous avons de la peine à vous déplacer. Beaucoup de couronnements doivent être faits. Masso, je ne veux pas de questions. Vous posez des questions, je vous bloque. Vous attendez toujours d'avoir des réponses de tout le monde. Vous aimez dire que vous avez des pouvoirs. Vous aimez croire que vous êtes différent des autres. Mais c'est vide. Il y a des terres où vous vous sentez à l'aise parce que vous y avez vécu dans le passé. Et il y a des pouvoirs que vous devez récupérer dans ces terres. Lorsque nous vous demandons de partir quelque part, ce n'est pas par hasard. Écoutez-vous. Ce qui est marrant, c'est que votre esprit domine tellement sur votre corps. Si bien que lorsque vous arrivez dans un endroit qui est pour vous, l'esprit qui est dans votre corps vous dira. Votre corps va réagir. C'est ça qui vous montre la connexion qu'il y a entre l'incarnation que vous avez maintenant et les anciennes incarnations que vous avez eues. Ils sont tous reliés. Malgré le fait que certains corps sont décédés, en même temps, ils sont reliés. Vos esprits sont tellement puissants que l'identité, l'ADN spirituel, l'ADN de l'esprit qui habite votre corps domine sur cette chair. C'est ainsi que vous pouvez guérir. Ce canal n'est qu'un gant que nous portons. Beaucoup d'entre vous, votre sagesse est en train de décupler. Vous vous écoutez. Vos ailes vont pousser plus que jamais. Certains ont des ailes blanches. Certains ont des queues, une queue de sirène bleue. Certains, c'est bleu et vert luisant. Ça reflète au soleil.
C'est pas pour rien que vous êtes attiré par tout ce qui est spirituel. Certaines personnes, vous êtes malades parce que vous n'écoutez pas votre esprit. La maladie sur vous, c'est votre esprit qui vous parle. Il ne s'agit pas de qui va dominer qui, mais de qui va s'activer en premier. Et nous, on n'écrase pas les étapes. Les étapes ne peuvent être écrasées. Malheureusement pour vous. Ceux qui étaient des généraux avant, vous êtes rapidement en train de monter les échelons pour repartir dans votre rang de général. Certains, on vous appellera sans cœur. On dira que vous êtes bête. Que vous ne savez pas ce que vous faites. Sachez que ce n'est pas du hasard. On vous attend. On attend que vous manifestiez certaines choses. Vous avez l'assurance que tout se passera bien, n'est-ce pas? Ceci est une bataille que vous avez déjà vue. Ceci est une vie que vous avez déjà vécue. Vous savez comment ça se termine. C'est pour ça qu'il y a une conviction au fond de vous. Laissez votre esprit prendre le dessus. Vous ne pouvez pas tomber. Si vous saviez le nombre de fois ils ont essayé de vous tuer, même quand vous n'étiez pas consciente. Si vous saviez le nombre d'attaques qu'ils envoient vers vous. Vous avez la capacité de transformer toute chose qu'on envoie vers vous. Je vois des flèches qu'on met dans votre dos et ces flèches se transforment. Ces flèches rentrent dans votre corps et font partie de vous. Vous avez ce qu'on appelle la capacité de transmuter de l'énergie. Energy transmutation. Vous bougez beaucoup de choses par vos pensées. Vous êtes très puissante. Achetez des vêtements blancs pour couvrir votre tête. En fait, vous avez peur. Et si je crois, on va me prendre pour une folle. Ces personnes dont vous avez peur vous admirent. Elles vous admirent secrètement. Parce qu'elles savent que vous allez réussir. Et elles sont jalouses. Elles auraient aimé avoir votre détermination. Le silence, c'est quoi? Écoute-toi. Parfois, nous devons pousser ton intellect sur le côté pour parler. Tu sais que tu es riche. Tu le sais. C'est pour ça que dans tes rêves, tu te vois toujours avec de l'abondance. Il faut que tu laisses ton âme recevoir.
relaxe. Tu ne peux jamais être pauvre. Tu crois vraiment qu'on t'a envoyé ici pour souffrir? Tu crois vraiment qu'on t'a envoyé sans te mettre de quoi subvenir à tes besoins? Laisse tes idées souffrir. Je viens contre les esprits d'accident sur les autoroutes aujourd'hui. J'intercepte les esprits qui veulent causer les accidents sur la route. Vous avez besoin de concentrer vos forces, scanner votre ville, voir où se trouve le mal aujourd'hui. Je ne suis pas là pour voir vos problèmes, je m'en fous de vos problèmes. Scannez vos villes. Voyez où se trouve. Et la première idée, intuition qui vous vient n'est pas fausse. Vous êtes trop égoïstement concentré sur vous. Il ne s'agit pas de vous. Et vous savez quoi, si vous ne le faites pas nous prendrons de plus jeunes personnes. Il y a une avalanche de jeunes qui est en train d'arriver. Très intuitif. Rapide à l'obéissance. Beaucoup d'entre eux sont des influenceurs. Avec une visibilité énorme sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils écoutent. Et au moment opportun, ils seront utilisés pour sauver beaucoup de personnes. Mais nous vous parlons et puis peut-être vous voulez passer encore 200 ans à essayer de vous réincarner. Tout est caché dans votre corps. Tout est dans votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous nous écoutez? Vous allez devoir oublier toute la religion qu'on a déposée en vous. Vous êtes en activation et ça devient inévitable. Beaucoup de films vont vous parler. En regardant les films, vous ressentirez beaucoup de choses. Beaucoup. Ça deviendra de plus en plus récurrent. Ça va se rapprocher. Voilà, ça c'est le mot. Beaucoup d'entre vous, nous venons du même endroit. On nous a éparpillés. Parce qu'au moment opportun, ils avaient besoin que la lumière s'active pour aider le maximum de personnes possible. C'est pour ça qu'il y en a. Depuis le premier jour que vous êtes tombés sur moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été activé en vous. C'est comme si votre cœur a commencé à battre.
Vous allez voir que facilement, on va vous donner de l'argent. Ce qu'on vous devait, ce que vous méritez. Parce que vous n'avez plus trop de temps pour courir juste derrière l'argent. Vous êtes très puissant. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer. Mettez des courriers sur vous, en journée, peu importe. Vous voyez ce tissu? Vous devez avoir quelque chose comme ça. Vous avez besoin de beaucoup de tissus spirituels. Ils portent des messages. Beaucoup. Votre esprit de déesse, beaucoup de femmes, votre féminité va, on dit en anglais, skyrocket, va arriver à des sommets. Ça ne sert à rien que vous dites que vous êtes fatigué. Les plaintes ne vous amènent nulle part. Certains de ces tissus, vous allez dormir avec. Certains, vous allez mettre sur votre tête en journée. Il n'y a que ceux qui connaissent. Là, le temps de convaincre, on n'est vraiment plus dans la saison de convaincre quelqu'un. Beaucoup de ces messages, vous les avez reçus dans le rêve, déjà. Donc quand je l'ai dit, ça résonne avec vous. La maturité demande que vous sachiez ce que vous avez à faire. Ah, j'allais même demander ça depuis. Ça fait 3 jours que je cherche ça. Et tu me dis, que je dois avoir ça. Ça, c'est comme ça que vous devez parler maintenant. Vous allez devenir très sensible aux environnements. Ce qui fait que si vous vivez chez des gens, vous ne pourrez plus tenir. Vous devez... Certains d'entre vous, vous êtes malades parce que vous êtes dans le mauvais endroit. Votre esprit est en train de prendre le dessus sur votre chair. Il y a des environnements que vous arrivez, vous ne pouvez pas rester. Tu perds la chambre, tu pars, tu te couches, ça ne va pas. À 2 heures, tu sors, tu pars. Tu as payé 3 mois de loyer, ça ne va pas. 2 semaines plus tard, tu portes tes choses, tu pars. Ça devient tellement sensible. On t'a bloqué, je te bloque. On dirait que ce n'est pas pour les plaintes. Tu te plains, je te bloque. Voilà. Ça, c'est du Mali. Donc, si vous commandez, si vous êtes au Cameroun, je retourne à Abidjan bientôt. Donc, je vais chercher ça, préciser, parce qu'il y a plusieurs motifs. Les femmes de l'eau, c'est le motif, c'est qui va le plus vous attirer. Premièrement, parce qu'il est blanc. Deuxièmement, à cause des coris dessus. Donc, il y a aussi les bâtons de commandement de sirène dont je vous avais parlé. Donc, il y a des outils que vous devez acheter. Le jour où vous allez toucher ça ou bien mettre ça chez vous, vous verrez que vous arrivez à une autre étape. Bino, on est toujours belle. Les femmes qui sont comme moi ont toujours une beauté naturelle. Vous avez des visas ou des accès que vous n'aviez pas avant qu'on va vous donner. Il est temps que tu partes dans certains pays.
ne vivras plus dans certains quartiers cachés. Je ne suis pas là pour vous parler du pouvoir de quoi que ce soit. Si vous voulez savoir le pouvoir, achetez-vous, même vous demandez aux ancêtres. Écrivez en inbox, vous commandez, vous payez. Parce que je n'achèterai que la quantité. Ça coûte assez d'argent. Donc, et c'est quelque chose d'assez grand. Je ne sais pas, c'est peut-être... Ceux qui commanderont le ndop, c'est 2 mètres sur 1,50. Ça, c'est presque tissé de la même façon. Regardez. Ça sent bon. Ok, regardez. Vous voyez le ndop. Vous voyez. Pour certains d'entre vous, vous n'allez vous sentir à l'aise que quand vous allez porter ce genre de tissu sur vous. Et regardez ceci. Vous voyez. Ce n'est pas des tissus comme les autres. Maintenant, les patterns, les dessins dessus sont très importants aussi. Oui. Vous voyez. Voilà. C'est vrai que sur mon objet, j'ai ajouté beaucoup de choses. J'ai mis des coris. Un peu partout. Certains, vous devez mettre ça sur votre lit. Certains, peut-être votre oreiller. Je verrai si on ne peut pas incruster ça sur les tédoyers. Il y a beaucoup de personnes, vous devez dormir avec des draps blancs. Si vous ne dormez pas bien, essayez de dormir avec des draps blancs. Vous devez arrêter d'être sale, bien sûr. Dormez avec des draps blancs pour voir. Parfois, c'est la couleur que vous utilisez qui n'est pas bonne. Dormez avec des draps blancs pour voir. Certains d'entre vous, vous devez avoir des tableaux qui donnent accès à l'eau. Des tableaux qui donnent accès à l'eau. Un dauphin, une mer. Ah, tu as mis ça sur ta tête, tu ne faisais que rêver, tu as eu peur, tu as enlevé. Aïe, ah, yeah. Quelqu'un vient chercher les abonnés sur ma page. La tête te bloque. On a réparti, on a partagé le pouvoir. Avant, le pouvoir était à certaines personnes, à des sociétés secrètes. Maintenant, vous êtes en activation. Et cette puissance, elle vient de l'intérieur. Sangoku, ses cheveux changent. N'est-ce pas? Pour certaines personnes, vous allez être en paix parce que vous avez maintenant l'impression que tout a un sens. It's making sense. It's finally making sense. Yes.
Mon but, c'est d'activer votre lumière avec ma lumière. It's time for you to move. Tu dois bouger. Tu verras. Oui, ça on peut fabriquer pour vous, oui. Je dis juste si tu as une tête petite, moyenne ou grande. Parce que quand ça ne suffit pas, juste ta tête, c'est dégueulasse. Ouais, non. Quand ça te suffit. Quand la couronne s'y va, juste ta tête, c'est bon. J'en ai une autre qu'elle elle est légèrement petite. Je crois que j'étais là. Non, c'est pas là. Ça vient comme ça. Ils ont terminé, ils ont terminé, ils ont terminé, ils ont terminé. Patricia, ça c'est 30 000. Faut que je mette 35 000. La personne qui me fabrique ça a augmenté son prix, donc c'est 35 000. Avant je faisais à 35 000. Mon numéro est dans ma bio. Ok? Tu m'as contacté, je n'ai pas vu ton contact, ma chérie. Tu as écrit sur quel numéro? Et parfois, mes secrétaires voient, ils ne donnent pas. Ils ne me disent pas. Pila, merci. Aline, parfois, mes employés ne me donnent pas tous les messages. Le numéro de Libreville est dans ma bio. Allez chercher. Ok. Les messages sont dehors. Celui qui veut faire, faire. Celui qui ne fait pas, ne fait pas. Vous aimez tout qu'on vous force, non? Tournez les reins. Vous aimez tout qu'on vous force, n'est-ce pas? Vous attendrez longtemps. Et que tu dis que je suis gentil, mais je suis sévère. Hein? Je n'aime pas qu'on dit que je suis gentil, ça ne donne jamais l'argent. On a jamais dit, oh, tu es gentil. Tu vas à la banque, bonjour messieurs, je suis gentil. Donnez-moi 5 millions de francs. Oh, madame la gentille, prenez votre argent. Le jour où vous faites ça, vous me dites. Vous avez suivi là. Dites-moi. Vous devez être connecté de telle façon que tu connais toi-même ton message. Si tu n'écoutes pas ton message, n'attends pas que quelqu'un t'arrête en haut pour te dire. Elle vous connaît souvent. Donc, oh, j'attends que vous veniez me dire. Mais c'est bête. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, c'est Catino, n'est-ce pas? Maman, j'ai les cartes. Carte de visite 1, carte de visite 2. Ping, pong, long, pong. Si vous donnez pas le message, c'est là. Tchai. Dès que je me suis levée, on dit, va parler. Là, c'est bon.
Bon, on doit y aller. On a beaucoup d'argent qu'on doit récupérer dans des endroits aujourd'hui. Ok. We gotta make some money. Have a great day. Visa. Vous aurez l'envie d'aller demander un visa. On va vous parler d'un visa aujourd'hui. Je crois que vous avez parlé de sortie, non? Le roi Xavier 144. Oh my gosh.